Bonjour, bienvenue sur Télé Pamplonne. Alors nous sommes aujourd'hui à la plage de la Serena en compagnie d'un homme de presse réputé, Georges Ghosn. Bonjour Georges. Bonjour Agnès. Alors je te vois très bien installé. Très bien, ben grâce à toi déjà. Et puis cette magnifique plage de Serena qui est faite par l'Hôtel de Paris, je crois. Exactement. Et notre partenaire aussi également dans la Absolument. Même... Absolument. Parfait. Alors j'ai le plaisir de vous présenter Georges, pour ceux qui ne le connaissent pas, et pourtant qui ne le connaît pas, un homme de presse qui a eu tour à tour la Côte des Fossés, la Tribune, France Soir, Le Nouvel Économiste, l'événement du jeudi et maintenant VSD. VSD depuis un an qui est en forte progression. Tout à fait, on est une des plus fortes progressions. J'en profite pour faire un petit peu de publicité, si vous le permettez. Donc effectivement, nous avons transformé cet hebdomadaire réputé qui était fondé par Siegel en 77, à l'époque où les VSD commençaient, c'est-à-dire les vendredis, samedis, dimanches. Et ensuite, Prisma l'a pris en main, suite à un dépôt de bilan malheureux il y a une trentaine d'années. Et malheureusement, n'ont pas réussi là où ils réussissaient partout. C'était une espèce de pierre d'achoppement. Pourquoi ? Parce que je crois que le vrai journalisme et surtout la sensibilité de l'écriture compte énormément. Bien sûr. Et c'est ce qui m'a poussé, moi, à reprendre le journal et à montrer qu'au fond, la presse archaïque ne meurt jamais. Alors, dites archaïque. Alors, effectivement, tu es quand même un homme de presse, comme je le disais, mais surtout que ton grand-père, puis ton père ont été des hommes de médias. Tout à fait. Mon grand-père était poète et écrivait des articles quand il le pouvait. Georges lui-même, le père de ma mère. Et mon père avait un groupe de presse au Liban qui s'appelait Al-Diyar et qui a été le premier quotidien où s'est écrit la constitution libanaise en 1943 à la fin du mandat français. Alors toi, tu es un homme à multiples facettes. Tu as fait Sciences Po, tu as fait de l'histoire de l'art aussi. Tu as fait des affaires quand même, notamment avec ton épouse. Tu as créé cette chaîne à succès que j'ai bien connue, l'INAS. Oui, tout à fait. On a fait l'INAS ensemble. Elle s'appelle Lina. Elle avait un goût très prononcé pour le bon goût et la bonne cuisine. Et on a choisi de faire une sandwicherie haut de gamme. Et ça a été le démarrage de Lina en 1989. Alors finalement, entre les sandwichs et les journaux, qu'est-ce qui est le plus facile ? Le plus facile, c'est carrément les sandwichs. Je regrette d'ailleurs tous les jours d'avoir vendu Lina. En fait, je ne regrette rien du tout. Je suis très heureux d'être avec les journalistes, l'information, la maquette, tout ce qui compose, le papier, les odeurs de l'encre. Tout ça, ça fait mon bonheur. Alors, il y a une chose qui est remarquable dans ton journal, je le dis, c'est qu'il a un ton très particulier qui lui ressemble beaucoup. C'est-à-dire, on rentre dans une conversation entre amis. Les éditos, c'est presque une carte postale. On est en direct avec ton cœur, tes impressions. Ce que tu vis en voyage, c'est voulu, bien sûr. C'est bien sûr voulu. J'ai voulu le nouveau mensuel comme une espèce de conversation. Qu'est-ce qui se passe dans une conversation entre amis ou dans une famille? On parle de différents sujets. On parle des enfants, bien entendu, pour commencer. On parle de bouffe, parce que les Français sont spécialistes quand ils déjeunent, de se rappeler les bons. Tu parlais de Daniel Echter, d'ailleurs, c'est un spécialiste des restaurants. Fine gueule, donc il passe son temps à se rappeler des bons restaurants pendant qu'il déjeune et prévoit le restaurant qui vient, les hôtels, et aussi, bien entendu, toutes sortes de problèmes, prostitution, sexualité, drogue, et aussi des choses heureuses qui sont le sport extrême. Par exemple, on a fait des papiers sur un skieur de l'impossible. Il était dans les glaciers souterrains, donc dans des grottes, et il skiait. Et on l'a pris en photo, privilège de la photo aussi, un côté life que j'aime bien. D'ailleurs, le logo qu'on a légèrement restylé, redessiné, avec des couleurs qui sont universelles, reprend en fait le caractère de life de 1945. Ah, très bien. Alors, j'ai vu que vous aviez fait aussi des portraits de femmes, de belles femmes, dont une que nous avons pris comme égérie, notre sirène du mois, puisque je précise à nos amis que nous allons faire une saison bleue ensemble, saison bleue presque île de Saint-Tropez, c'est-à-dire nous allons agir aussi bien à Saint-Tropez qu'à Ramatuelle. Nous avons commencé ce week-end avec le phare de Saint-Tropez que tu as inauguré avec moi. Avec toi. Et avec madame, notre artiste. Qui était fantastique. On dirait, elle a repris, c'est une femme du street art bien entendu, elle a repris des codes qui m'ont vraiment impressionné parce qu'ils me rappelaient mon enfance. On aurait dit une édition originale de Jules Verne de 1890, elle a repris les codes, l'écriture, et puis presque la lithographie. C'était très impressionnant dans ce phare qui mesure 15 mètres et qui illumine et éclaire les navigateurs. Il n'y a plus que 1500 phares dans le monde, je vous le rappelle, ce qui est rare. Ah oui ? Oui, c'est-à-dire ça disparaît. Ce sont sans doute des moyens plus modernes, GPS et autres. Exact. Mais le phare,
guide un peu comme un journal le lecteur. Tout à fait. D'ailleurs, comme et le navigateur. Comme dit Kefelec, le phare est en soi une œuvre d'art. Et je crois que notre parrain, puisque nous avions comme marraine Maude Fontenoy et comme parrain Yann Kefelec, sera reçu à l'hôtel de Paris en octobre pour nous reparler des phares et de cette navigation. Donc nous avons également comme projet commun cet été de faire le prix Miss Pamplona Green. La beauté sera engagée ou ne sera pas. Il ne s'agit plus, mesdames, d'avoir des tours de poitrine avantageux. Il faut avoir des idées plein la tête pour sauver notre planète. Tout à fait. Alors dans phare, évidemment, il y a des mots qui sont concordants. Les trois premières lettres de phare correspondent aussi à phallus. Donc, exact, on avait remarqué. Voilà, vous avez remarqué. Et donc j'espère que Miss Pamplona et puis les autres Miss qui vont être élues vont bien entendu provoquer quelques émois. Oui, exactement. D'ailleurs, effectivement, le défi était de mettre une femme sur le phallus d'or de la ville, ce que j'ai proposé à notre audacieux maire, Jean-Pierre Duverry, que nous saluons aujourd'hui. Et il a accepté ? Absolument. Et là, cette femme va donc rester en bonne position jusqu'à début novembre. Nous allons donc passer les voiles avec notre artiste madame. Nous referons plusieurs événements au pied du phare en compagnie de VSD, absolument, n'est-ce pas Georges ? VSD sera toujours présent. Tant qu'il s'agit de sauver la planète, sauver les bonnes âmes et surtout découvrir des nouveaux talents, même s'ils sont bien garnis, nous sommes toujours présents. Alors parmi les talents et les nouveaux talents et les anciens talents, nous avons quand même le rédacteur en chef de VSD à qui je fais un bonjour particulier, voire un énorme baiser, on peut lui dire. On l'aime beaucoup. Voilà. Il s'agit de Christophe Gauthier, un grand amateur de fameux et de phares, bien entendu. Et de phares. Qui saura nous rejoindre pendant l'été, bien sûr. Bien entendu. Parce qu'il faut quand même qu'il explore le terrain de près. Tout à fait, qu'il sache, qu'il voit la réalité du terrain. C'est très important. Exactement. Alors Georges, toi, en directeur de la rédaction éclairée, as-tu des projets de sujets pour Pamplona ? Alors, on pensait à évidemment extrapoler sur Pamplona et vers le pamplemousse, par exemple. Mais bon, on s'est retenu et on vous réserve quand même, on réserve à la primeur, mais ça serait une surprise. Exactement. Alors, j'annonce également que nous allons avoir une nouvelle chroniqueuse avec nous, belle comme le diable, intelligente comme son père, qui n'est autre que Joy Gone. On ne vous la montre pas tout de suite, on vous la réserve dans quelques jours pour une interview de notre prochaine sirène du mois. Georges, que pouvons-nous ajouter ? On ne peut que souscrire à ça. Joy allie la beauté, le charme de ses parents et de sa mère, surtout Lina, et puis elle a une descendance, moi je ne compte presque pour rien, mais elle a deux grands-pères dans la presse et elle va reprendre le flambeau. Exact. Ce qui pour un phare est d'actualité. Georges, nous te remercions en tous les cas pour ta présence joyeuse, lumineuse, ce qu'on appelle un grand vivant, que nous aurons grand plaisir à retrouver tout l'été. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à tous.